Bon la mif, direction le bled, je suis en t-shirt, short, claquette, voilà c'est parti avec la voiture là, elle est plus chargée que tout ce que tu veux, c'est blindé à bloc, il y a 60 canettes de Red Bull pour pas dormir, il y a la daronne là-bas, copilote qui dort tout le temps, voilà c'est à mon tour de m'allonger dans la voiture pendant que d'autres sont en train de conduire. Ça fait du bien. C'est comment Al Jazeeras? Al Jazeeras? Ça s'écrit Al Jazeeras. Comme ça se prononce. Al-Jazeeras. C'est à 1000 km. Bref, voilà, j'ai tout ce qu'il faut moi. Perso, je suis bien. Chips, Kinder, bouffe. Je suis au max. T'es dans ta jalousie. Passe-moi un mouchoir, s'il te plaît. Non. Là, je me la coule douce, je fais rien du tout. Allez, bonne nuit. Sont où les lunettes pour Naas là? Cherche, elles sont pas loin. Ah, mais attends, cherche, c'est la caverne d'Ali Baba dans la voiture. Derrière ça, auquel papier avec un rouleau? Rouleau de papier pour éléphant? Ouais, bah passe-moi mon chat. Ah, bah attends là. C'est voilà. C'était trop chaud quand ça va. Le vent. Je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Je m'en fous. Bon, là, on est dans une station service à 300 km de Bordeaux. Bon, on n'est pas loin encore. Hein. On n'a rien fait comme route. J'ai déjà mal aux jambes. Torticolis, torticola, mal au dos. Ça va pas trop le faire. Il manque plus qu'on tombe en panne. Et là, ce serait la cerise sur ta grand-mère. Bon, là, c'est direction. Ouah, café, petit café, là-bas. Voilà, petit déjeuner. Alors qu'il est 13h. Il n'est pas 13h. Mais c'est pas grave, soyons fous. Il n'est pas 13h. Il est quelle heure, mais? Il est 9h30. Ouais. Il est 9h30? C'est impossible. 10h moins 4. Combien? 10h moins 5. Il est que 10h moins 4? Ouais. Je t'ai dit, t'as conduit que 2h. Bref, 10h moins 4, petit déjeuner. La route est longue, ça va être encore très très long parce que là, juste pour arriver à Bordeaux, 300 km. Imaginez le reste, 344 d'après selon BFM TV, ma mère. J'en ai marre. Ah, franchement, j'en ai ras le bol. On va s'arrêter là. Ouais, venez, on fait demi-tour. Ah, on fait demi-tour. On fait demi-tour ou pas? Vous voulez pas faire demi-tour? Oh! Vous voulez pas faire demi-tour? Non, ça passe pas eux. Ils ont pas délaissé, ils n'ont pas la monnaie. Madame, j'ai des beaux pieds? Non. On vient d'arriver à Bordeaux. Voilà, on s'est arrêté parce que j'ai dit à ma daronne que j'avais grave la dalle. Et c'est la vérité, j'ai grave la dalle. Et on va manger là. On voit la station. La station des Sanso. Qui est là. Bon, comme je vous l'ai dit, on vient d'arriver à Bordeaux. À la glacière. Vous savez, c'est la base. Ça, c'est la base. Ça, quand tu es en voyage, c'est la base. Cachir, c'est la base. Bon. Ça, c'est la base. Ça, avec du fromage et du pain de mie, tu manges. Et c'est Maïko. Et hasta luego. Donc là, on va manger. On va se remplir le ventre et après on reprend la route. Et je suis déjà déglingué alors qu'on n'est même pas encore allé loin. C'est grave, c'est très grave. Ouais, venez.
Non, en fait, on va pique-niquer sur du chic. Là, comme vous pouvez le constater. Là, il y a une baguette. Je sais pas si c'est une baguette ou si c'est du bois. Parce que entre elle et l'arbre, je crois que c'est elle, c'est plus dur. Vas-y. Bon, on vient d'arriver, je sais pas, en enfer, je crois. Je sais pas, on vient d'arriver où. Je prends une savoir. On a rien à faire. Donc là, on va faire un pique-nique sur du shit. Il n'y a pas ce que c'est. Ça fait 3 heures qu'on roule. J'ai l'impression que ça fait. On fait un pèlerinage. Hein, j'ai l'impression qu'on va à la Mecque. J'ai l'impression qu'on va faire 2 semaines de route. On est des campagnards, des voyageurs, des gros Robinson Crusoe. J'ai mal au dos. Ça fait que 3 heures qu'on roule. Hein. Ouais. Ça fait que 3 heures qu'on roule. Il nous reste encore combien de temps? 11 heures pour arriver au port, seulement au port. Bonne chance à nous. Et si je donne plus de nouvelles, si vous avez plus de nouvelles de moi sur les réseaux, c'est que j'ai cané. Et bah, je vais laisser un testament avant d'arriver là-bas, on sait jamais. Bon, on fait un petit sandwich à base de rien du tout. Ça va être salade. Je sais pas ce que c'est ça. Saveur aux olives. Bon, bref, je vais le mettre dans mon sandwich. Clémentine. Bon, ça se voit que c'est ma mère qui a choisi hein, la graille, bien évidemment. Et fromage. Donc ça, c'est pour qu'on tienne le coup. C'est pas pour nous nourrir, c'est pour qu'on tienne le coup. C'est pour éviter de mourir. Ah, j'en ai marre. Bon, bref, on va essayer de survivre. Voilà. Bon, là, il est exactement 16h52, mais on est toujours à Bordeaux. Non, je rigole. Il est 16h52, on arrive à Saint-Sébastien, à la frontière France-Espagne. J'ai fait que dormir, voilà, pour que vous soyez au courant. Je suis allongé. Mais j'ai fait que ça et je vais faire que ça. Peut-être que je vais prendre le boulot un peu en Espagne là, mais vite fait quoi. En tout cas, ça commence à me saouler. Il y a pas de clim. T'as vu ça où? Des gens qui vont au bled sans clim. Ah Omi. Omi. Hyundai. Hein? Oui, Hyundai, on s'en fout là. Tu peux m'expliquer comment ça se fait, on va au Maroc sans clim? On pourrait aller à la mer, mais pour l'instant on est à la merde. Ah mais pourquoi il n'y a pas de clim dans cette voiture là? Oui c'est magnifique mais il n'y a pas de clim. Alors en fait je vais vous expliquer la famille. Eh, si vous voulez perdre 60 kilos en 2 jours, vous prenez la route avec ma mère. Il n'y a pas de clim. Et en 2 jours vous transpirez 50 litres d'eau. Hop là. Affinement total. Votre plat, cerveau plat, tout est plat. Qui finit plat. Bon bref, je suis cuit. Je crois que je vais m'endormir en fait. Je suis cuit, je crois que je vais m'endormir. Ouais, allez, salut. Une I9 de Belle Louis Pay. Direct de la route d'Espagne. La voiture va tomber en panne. Là. Fouini babe, quoi de neuf depuis l'Espagne? La voiture avait tombé en panne. Ah là là. On te fait un reportage animalier. Tu vois, tu fous que la nature, tu crois qu'on est sur Arte. Quad 9 depuis l'Espagne, la voiture va bientôt tomber en panne. Ma mère elle est young derrière, elle a la haine parce qu'elle a peur. Elle m'a dit tu me saoules. Mais c'est pas que tu me saoules, c'est pas que tu me saoules. Omi, je t'aime bien quand même. C'est la mif. Ah ouais, tu m'aimes pas toi? Ah c'est comme ça? Oh. Ah là là, je savais que de toute façon tu m'avais adopté. Hier. Yeah. Mais par contre il fait trop chaud. Oh, peut-être.
dit que vous allez tomber en panne à Bourgogne. Bah oui, moi je sens que nous allons tomber en panne à Bourgogne. Bah dans 16 km la voiture va s'arrêter. Dans 16 km. Et si on tombe en panne, ce sera un moment historique dans la famille. Ouais, je vais vous filmer les montagnes. Ouais, mais attends, là, je ne vois rien. Là, demain, je vais passer la nuit. Bon, on dirait que des toilettes, là, on s'est arrêté à 100 et quelques kilomètres de Madrid. Bon, là, on est dans une station d'essence perdue. Je sais pas où on est où. Il fait tout noir dans les toilettes. Alors, ça, c'est des toilettes pour démons. C'est-à-dire, c'est les genoux des démons qui viennent pisser ici. Il y a zéro lumière. Les portes, elles se ferment pas, il n'y a pas de verrou. Ah, mais en fait, je voulais savoir. Attends. Ah oui, je voulais savoir un truc. Pourquoi on s'est arrêté à cette station d'essence? On se lavait. Hein? On voulait manger ça aussi. Non mais en Espagne, ce qu'il y a à manger, c'est du pain, du fromage. Ok, bon. Donc toi, pour toi, attends, je vais filmer la bouffe. Si tu manges ça, tu meurs le lendemain à 8h du matin. Voilà, si tu manges ça le lendemain à 8h du matin, tu meurs. Ils comprennent pas, c'est des Espagnols. Ils connaissent que la Casa de Papel. Il y a des frites. Non. Il y a du calamar. Il n'y a rien à manger, ça. Non, mais attends, il n'y a rien à manger. Rien à manger, c'est pas cool. Regarde. C'est un sandwich, toi? Non, mais ils ne comprennent pas, les Espagnols. Je t'ai dit, ils connaissent que la Casa de Papel, les Espagnols. Mais est-ce que t'as fait ça un sandwich? C'est un sandwich, ça? Il est vite fait sur la salade mixte. Frites à l'huile. Eh, vas-y, on se casse de cet endroit là. Cet endroit il est maudit. Je vous ai dit que cet endroit il était maudit. On dort ici ou pas? Hein? On dort ici? Ça, je suis fou, on dort ici. On dort où? Pourquoi ça pue le cheval? Sans cheval, non? Hein? C'est vrai en plus, ouais, t'as raison. Moi? Eh, ça pue sa grand-mère. Bon appétit. Bon, je sais pas il est quelle heure. Je sais pas on est où. Je sais pas qu'est-ce que je fous là. Je suis déglingué, je viens de me réveiller là. J'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire par terre. J'ai pris un petit drap. Je l'ai mis par terre avec un coussin, j'ai mal au dos. Mon dos, sachez, il va pas faire long feu. Mon dos, il va pas faire long feu. Là, je suis devant un petit bar. Là. Juste là. Faut que je prenne un café, sinon je vais tomber dans les pommes, dans les poires. Je vais tomber dans les pommes, dans une salade de fruits, je vais tomber. Je suis déglingué. Là, je vais boire un petit café. Et je vais reprendre la route, hein, y a pas le choix. Hein. Je suis mort. Bon, je pense que c'est le moment de décoller, je pense que c'est le moment de partir. Sinon on va jamais arriver au bled en fait. Ouais, je vais devenir espagnol, je vais commencer à dire hola, que tal, buenas noches, de hombre, de hombras. Faut vite qu'on prenne la route et que j'arrive chez moi parce que là je commence à en avoir ras le bol. Bon, c'est parti. À tout à l'heure. Non. Vas-y, là, remets-toi au droit, là. Filme ça. Ah.
direct du bateau. Non, du haut, ça va trop vite. Titanic. Je ne sais plus comment il s'appelle, Jacques, Pierre, Paul. Là. C'est là où il a cané, Jacques, Paul. Là. C'est ça, Jacques? Jack. Le Jack, c'est là où il est mort. À Tanger. Tanger, à Disgrâce Tanger, il a cané ici, Jack. Okay. Dans Titanic. J'allais dire Harry Potter. J'allais rien respecter. Dans Titanic, le mec, il est mort ici, à Précis, là. Et là, c'est le bateau, là, c'est un moment historique dans ma vie. Et là, c'est le bateau, il y a Jack, avec sa vieille meuf qu'il a laissé tomber. D'accord. Je déteste remplir ça. Tu fais le mien, hein? Tu fais le mien. En plus, t'as pas remarqué quand on a cette feuille-là? C'est toujours on demande des stylos, on vient jamais avec des stylos. Ouais, c'est vrai en plus. Hein? Non, il y a un stylo dans le bateau qui fait tout le tour pour écrire la feuille. Ça monte encore là? Ouais. T'as pas de passeport toi? Bon bref. Ah, il t'a un stylo. Nationalité française. Point de futrie, je vais à la France à 8. Hop, français. Juste depuis qu'Mbappé l'a marqué, je suis encore plus français. Non, je pays de résidence habituelle, je réside où? France. Je peux mettre Grigny, parce que Grigny c'est un pays. Hein. Avec tout le bordel qu'il y a, Grigny c'est un pays. Je mets Grigny. Non, je vais mettre France. France. Profession. Chômeur professionnel. Je mets chômeur professionnel. Comédien quoi? Comédien à temps partiel. Je vais mettre chômeur pro. Non? Ou galérien, par intermittence. Mais trafiquant. Hein? Trafiquant. Trafiquant de beurre. Je bicrave du beurre et je vends du beurre. Bon, je vends du beurre sur la route du bled. Non, sérieux, je mets quoi en... Tu mets comédien. Oh, le menteur comédien. Passeport, numéro de passeport. Where is numéro de passeport? C'est quoi, c'est un bateau, c'est un avion? Pourquoi ça bouge comme ça? Bon, 15, c'est ça la 15C, je sais pas quoi? 15C, E04, 503, 4. Date de délivrance. Ah. Marqué là, non? Oui. 01. Bon, la famille, je tenais juste à vous dire que je sens qu'on va bientôt arriver au Maroc. Je suis dans le bateau encore là, je vais la traverser. Mais je sens qu'on va bientôt arriver au Maroc. Il y a une odeur de shit, une odeur de hashish que je sens là. Ça sent le Maroc.
peu de sang. Là, je rigole, mais en tout cas, je suis venu m'asseoir ici, posé calmement en attendant d'arriver. Je regarde la télé, je vais vous montrer. Voilà. Il n'y a absolument rien du tout, je vois rien, je regarde rien. Bon, là on est dans le bateau qui nous emmène au Maroc. Attends, on est dans le bateau qui nous emmène au Maroc. Là on fait la traversée Espagne-Maroc. Là on est bientôt arrivé, je sens déjà l'odeur du shit. Donc je vous laisse admirer la vue de là-bas. T'es content? Ah? T'es content d'aller au Maroc? Non, je suis triste. Ah oui, je suis content. Attends, je fais un plongeon vite fait en direct là tout de suite. Vas-y. 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 Prêt, t'es prêt. T'es prêt. Bon, je vais filmer après quand je vais arriver sur la terre ferme du bled. De toute façon, quand je vais arriver au Maroc, vous allez savoir, vous allez l'entendre. Juste avec les bruits, avec les. Vas-y, garçon, s'il te plaît, un peu, pas plus. Vous allez comprendre. Mm-hmm. Quand je serai au Maroc, vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés juste avec les sons. Oh my god! Oh mon dieu, c'est l'extase. Oh, oh my god. Oh merci mon dieu d'avoir créé la brosse à dents. Merci d'avoir créé l'optifrice. Oh, je suis en train de me brosser les dents pendant une semaine comme ça sans m'arrêter, pendant 2 heures. Oh. Voilà, on arrive incessamment sous peu. Sur les terres du Maroc. Voilà, nous sommes actuellement au Maroc. Donc là, bah, je tout, histoire de manger un petit peu. Là, je commence à être KO. Regardez, filme le Maroc, vite fait là. Filme un peu le bled. Non, mais là. C'est une station service là. Ah mais c'est pas grave, c'est une station service du bled. Attends, regarde les drapeaux là-bas. Bon allez, viens. Viens. Bon, là on va manger un petit tagine. Ça fait très très longtemps que j'ai pas mangé un tagine comme ça. Je vais vous le montrer. Ah là 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 là. Là on va succuler là. Là nous allons succuler. Là, nous allons succuler. Une bonne succulade à tous ceux qui succulent en ce moment. Bon, après avoir mangé un tagine à 100 000 dirhams, bon, après avoir mangé un tagine très chaud et très cher, on reprend la route. Direction Azrou City. Azrou, la ville la plus nulle du monde. Mais j'aime cette ville. Bon, c'est parti. C'est parti, chacal. Chacalou des chacalis.